troisième épisode des Ligues des Champions de Challenge. On se retrouve une nouvelle fois avec tout ce beau monde. Comment ça va, messieurs? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Il y a de nombreux... Ils ont appris. Maintenant, on dit « et toi », t'as vu? Oui, il y a de nombreux fidèles de la série. Il y a Thomas qui est là, Evan aussi, il n'y a pas raté un épisode. Dany, il en avait fait un. Oui. Quentin aussi, Gervan non, et Andrew non. Andrew, moi, c'est ma première apparition. Andrew qui prend le PSG, qui est en tête de la poule A. C'est la pression. C'est très serré dans la poule A. Dans la poule B, c'est plus disparate parce qu'il faut que Gervan avance un petit peu. Rattrape absolument, il faut absolument que tu gagnes aujourd'hui pour espérer te qualifier pour la phase finale. Aujourd'hui les amis, deux défis, comme lors de l'épisode 2, on prend une dimension un peu historique. On va faire cette fois-ci quelque chose en lien avec le meilleur joueur de la compétition, Cristiano Ronaldo. Je suis un gros fanboy, mais c'est pas du tout pour ça. On est d'accord pour dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire de la Ligue. Oui, on est d'accord. Il a cette semaine. Oui. D'ailleurs, le second défi sera en lien avec sa tête de cette semaine face à l'Atalanta Bergame. Sa tête défi. Mais le premier défi est en lien avec sa frappe surpuissante de 2009 face à Porto. Porto Rico. Il était très très loin. On va faire ça. Donc, premier défi, frappe en mouvement à 25-30 mètres. Et le second défi, il faut marquer sur un centre. C'est clair pour vous, messieurs? Là, on faut mettre des grosses bourrines à première personne. Faut mettre des grosses bourrines à Quentin. Quentin, tu te sens comment? Moi, ça me dérange pas. Moi, j'aime bien. Ouais. Bonne vidéo à tous, messieurs. C'est parti. Allez. Les gars, pour ne pas changer, c'est Andrew qui commence. Ouais. Andrew, le Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Leader de la poule A. Ouais. Thomas, t'es concerné. Ouais, je repasse devant aujourd'hui. Oui. Oh, bah oui. Ouais. Bon, on ne pourra pas faire pire. Allez, Andrew. C'était placé, c'était très lent. Thomas, quel mot pour ton premier but? Regardez. Oh, poteau, ça commence. Même d'aussi loin, j'arrive à faire des poteaux. C'est pas normal. Karim Benzema. Dany Pourtel. Oh, oh les gars. Bonjour. Pied gauche, Hakim Ziyech. Oh, oh, les faits. Les faits. Oh. La patatas. Oh, oh, elle est belle. Oh, l'effet qu'il y a eu. Oh, elle est partie d'un côté, elle est revenue. Yes. Oh, la tête à Evan. J'allais pas cadrer une depuis le début, j'ai fait 10 frappes, là, je la mets. Il est content. Les gens, quand ils t'ont vu arriver, ils sont du lit. Il est content. Je sais qu'il y a plein de supporters du Real de Madrid qui regardent cette vidéo. Mettez, je veux voir s'il y a vraiment des... En vrai, je veux voir s'il y a vraiment beaucoup de gens qui supportent le Real Madrid parce qu'ils sont derrière moi. Donc mettez-toi tous en commentaire, ceux qui sont pour le Real. Toi, t'es... Oh non, mettez pas City. Thomas, quelle frappe, mec! Moi, je suis. Ma classe, j'encadre pas une, toi, tu mets des lucarnes! Oh là là! Incroyable. Oui! Oh, oh! Oh là 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 là! Quentin, il a mis du temps avant de plonger! Oh, il a mal, je peux pas! Ouais! Ça va, Quentin? Quentin, il est peut-être blessé, non? Non, rien d'ailleurs! Hein? Bien. Les gars ont raison, Quentin s'est blessé au genou sur une des frappes au début du défi. Malgré ça, il a quand même décidé de continuer. A cause de cette blessure, il a été sur le carreau pendant 2 semaines, alors je compte sur vous pour être indulgent avec lui dans les commentaires. Soyez compréhensifs. Dany Pourtel, le Wondoski. La DTA, il a fait. Oui, il a fait tout de suite en dos. Oh, oh, oh. Non. Quelle frappe incroyable de Gervan. Incroyable. Hey, lance le cuir dans le but. Pour le Paris Saint-Germain, qui avance bien. Oh, t'es haut, tu sors quand même. Oh, oh là là. Oh, l'effet qu'il y avait. Nicolas. Oh. Oh, bien. Oh, bellissima. Oh, oh, la main ferme. La main. Dany, t'exemple pas trop parce qu'on ne verra plus. Oh. Il va se démonter à ranger. Non! Oh. Elle est incroyable cette séquence! Elle est folle! Elle est complètement folle! J'ai adoré parce qu'il s'est troué et toi t'étais là. Mais non! Yes! Bravo, gars! De toute façon, tu sais quoi? Tu mérites. C'est ton moins mérité des tirs et c'est celui-ci. Elle est belle! Elle est belle! Arrête de te parler! Oh non! Mais non! Il veut bien que tu prennes sa photo de ton but en fait. Oui! C'est le plus gros hold-up que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube! C'est le plus gros vol que j'ai fait sur ma chaîne YouTube! Ça fuse! J'adore quand ça fuse! Oui! Ok,
Mais non, mais arrêtez de faire ça, ça se fout. Oh, 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 mec, à chaque fois je te fais rigoler, à chaque fois t'as deux doigts de marquer. Mais arrêtez, non, mais je vous fais pas ça, moi, sérieux. Nigné, nigné, tu m'entends plein depuis tout à l'heure, moi. Mais non, mais il fait des trucs en... Mais moi, on m'insulte depuis tout à l'heure et c'est rien. Mais non, mais ça m'énerve. Oh, Evan, Evan qui se lance. Oh, la frappe. Oh, oh, l'arrêt. Oh là là, magnifique, je vais t'entendre. Mais vite, c'est vrai. Oh oui. Oh, il a rangé le cuir, comme on dit. La frappe de Coman. Aura du poteau. Allez, Jorginho là. Oh. Oh là 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 là. Non, mais c'est du vol, il a deux buts comme ça. Mais non, mais ça me saoule. On est copains de seul. Il a deux buts de chien. Oui, je sais, moi aussi. Regarde là. Allez, là, on veut Neymar, Mbappé, tout là. Oh! Yes! Voilà, magnifique! Wouh! Oh là là! Alors, n'est pas compté! Non! Oh! Oh là là là! Et c'est fini! Après, il a tout. Vas-y, non! Ouais, je fais des buts de merde! Mais oui, mais t'as deux buts de merde! Chalot! Oh là 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 là! Dans tout ça, Fort Bridge! Eh oui! Jorvan, t'as été le MVP, clairement. Tu méritais, mais je sais pas, 5-6 buts tellement t'as été fort. Moi, oui, mais c'est comme ça. Là, t'as été le Ronaldo de Chelsea. Il a jamais joué à Chelsea, mais ça aurait pu. On termine ce premier exercice sur ce but de Gervan et croyez-moi, il méritait encore mieux. Il était vraiment beaucoup trop fort pour nous. Oh! Oh là 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 là! Malgré ça, et même si ce n'est pas très mérité, je fais aussi bien que lui avec 3 buts en tête de la poule B, tandis qu'Evan est un peu plus loin avec un seul but inscrit. Dans la poule A, c'est encore plus homogène. Dani est leader avec 2 buts, juste devant Thomas et Andrew avec un but chacun. Vous l'aurez compris, rien n'est fait, place maintenant au second challenge de cette vidéo. Les amis, début du second défi avec Evan, là ça va être ton moment préférentiel parce qu'il faut marquer principalement de la tête sur un centre. Regarde bien comment je l'ai fait bien. Ou alors une retournée, mais je crois que c'est pas ton kick non plus. Non. Épaule ou ce que tu veux. J'ai dit que ouais, je sais pas, je vais essayer des trucs. Oui. Oh. Oh oui! Non. Quentin est tombé trop rapidement! But! Oh! Bien vu! En déviation, tranquillement! Là! Oh oui! Eh, je m'en fous, ça marche! J'ai fait un beau contrôle! Ça fait un point! Ça marche avec un contrôle! Non mais arrête ça, toi! Ah. Toi, tu sais ce que t'es, toi, t'es un escroc! Oh! Oh, dommage! Oh, c'était bien vu, ça! Oh! Je la touche en plus! Oh, belle encore! Mec! Non mais, je ne comprends pas deux choses. Une, pourquoi il fait ça? Et deux, comment il arrive à la ramener dans le cadre? Oh, ouais! Eh, c'est quand même 4 ou 4. Vas-y! Incroyable! Oh, oh bien vu! Oh, elle est belle! Oh là là! Je crois que c'est la première de ma vie que je mets une touche. Je suis content. Oh, elle est belle encore! Quand je la prends du bout du pied, ça fait un peu marrant. Comme on dit chez nous. Mais celui à 3, c'est le principal! Bien vu! Petit point sur le classement. Avec Dani, tu es en tête du groupe A avec 3. C'est ça. Thomas 2. Thomas 2 et Andrew 1. Andrew 1 qui mériterait de mettre un but quand même de la tête. C'est pas académique, mais pourquoi pas. Au moins c'est cadré. Et dans la B, je suis devant avec Gervan. Bon les gars, vous l'aurez compris, chacun essaie de faire valoir ses compétences sur ce défi qui est pas simple. Ça paraît facile hein, quand on voit Cristiano, mais nous on est des amateurs. Moi j'essaie beaucoup de marquer la tête comme Dani et après il y en a d'autres qui sont plus à l'aise avec leurs pieds comme Evan par exemple. Oh la 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 la. Marche Thomas, appliqué, appliqué. Les gars, si je la marque,
Je reviens à égalité, ça ferait 4-4-4 dans notre pool. Ce serait incroyable. Oh non ! Oh là là ! Oh, c'est cruel ! C'est cruel ! Mais j'ai envie de vous dire que des fois dans le football, il y a une certaine logique. Evan, il a pris un petit but parce que certes, il avait le droit de faire le contrôle, mais c'était moins, comment dire, souple, moins fluide. Et là, c'était splendide et ça méritait but. Là, faut que je la mette pour gagner. C'est le seul moyen. Oh, elle est incroyable ta passe. Oh, oh est merci Quentin. Super arrêt, bravo Garman. T'étais vraiment le plus fort. Bon, dernière passe pour moi. On va essayer de mettre un beau but, ce serait bien. C'était mérité. Et on arrête là-dessus. Fin de cette très belle vidéo. Bravo, mais c'est pas pour moi. Fin de ce troisième épisode des Ligues des Champions Challenge. Dans la poule A, Dani termine cette vidéo en tête devant Thomas et Andrew avec 3 points. Dans la poule B, j'ai décidé de déclarer Gervan vainqueur car même si nous avions tous les deux 4 points, il méritait beaucoup plus que moi de l'emporter. Oh la même ! Oh les vies ! Oh mais non, mais 4 fois ! Cristiano Ronaldo ! Oh, il y a eu un rebond juste avant. Oh, c'est fou ! Oh, c'est nul. C'est pas bien. Au classement général de la série, tout devient complètement fou. Dans le groupe A, les 3 équipes sont égalité avec 6 points, alors que dans le groupe B, rien n'est fait non plus. Il va falloir tout donner lors du 4e épisode de la série. Merci à vous d'avoir participé, messieurs. Merci à Alan qui a pris des photos, Emeline qui a filmé. Et puis, bah, les gars, on rendez-vous à l'épisode 4. Hein. Moi, ça sera que du bonus pour moi, mais il y aura quand même des moments décisifs. Moi, ça va être du stress pour moi. Ça va être chaud et marron. Sauf si c'est Gervan qui revient en feu comme ça. Hein. Faut que je sois qualifié, c'est mal. Allez, merci à vous d'avoir regardé. C'était Lévi, les copains. Bye. Salut. Bye. Abonnez-vous. Bye. Allez.